Bonjour et bienvenue à nous l'émission Plat du Chef. Aujourd'hui dans l'hôtel Les Cocotiers avec le chef Harry qui pour présente nous un plat. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Bien, merci. Alors chef, qui vous présente nous comme ça? Je vous présente un cordon bleu à base de poulet. D'accord. Parce qu'il est d'origine, cordon bleu fait avec veau. Mais c'est mon principe qui est pareil. D'accord. Mais quand fait avec veau, quand fait avec poulet, café avec dinde. Et là, vous dire, nous servir blanc poulet? Oui, là, je vous présente tout le bon ingrédient. Nous avons blanc poulet principal. Et puis, nous avons chapelure, la crème cuisson, du poivre, du sel, moutarde, fromage, jambon et un petit peu fond poulet déshydraté. D'accord. Et là, c'est l'ail? Fromage et l'ail écrasé. D'accord. Pour commencer, vous avez fait une incision dans le poulet pour nous mettre sur la face. Disons, un morceau de poulet de 100 grammes est assez suffisant pour un dimoun. Et ça, il y a environ 180 grammes. Vous avez besoin de bien comment nous faire aller. Nous faire aller en une partie. Et puis en deuxième partie. Pour ça, vous avez besoin d'un couteau qui fit assez bien. Et voilà, il fait comme un portefeuille. Un, deux. Il fait une deuxième. Et voilà. Directement dans ces zones. Sel, poivre. De côté. Je ne vais pas mettre trop beaucoup. Mais juste pour préliminaire. Sel, poivre. Un petit peu d'ail. Puis l'autre côté. Bon, deuxième étape, nous la face. Nous réouvrons le lit. Mettre fromage. Et là, nous pouvons mettre le fromage qui nous envie. Oui, nous pouvons mettre le fromage qui nous envie. Mes frères, nous mettons le fromage qui est pour fun. Pour les là, quand nous coupons, il est bien moelleux, il est bien juteux à l'intérieur. Ça veut dire là, nous pouvons mettre un fromage qui nous envie? Oui, nous pouvons mettre le fromage craft, avec fromage béga, fromage qui est maintenant disponible dans la main, ou nous mettre le fromage cheddar. Ou même mozzarella? Cheddar jaune, oui, même mozzarella, il n'est pas grave. Okay. Pour vous autres ici, on ferme les bien pour faire les gardes sur ce texture, puis ferme bien l'intérieur pour quand il cuit, il n'est pas bave. D'accord. Parce qu'il vous garde des délules et puis il est pour vous face. Vous allez là nous mettre fromage et jambon. Et jambon, c'est un jambon poulet, c'est préférable parce que quand il mange, s'il pas mange pas, il met jambon poulet. Mais c'est quand il met jambon porc, il garde le jambon porc. Mais quand il met jambon porc, c'est préférable qu'il mette un jambon porc qu'il ait un gras là. Okay. Parce qu'il y a un gras là, là ce jus rentre dans la chair là, il donne beaucoup plus de goût, il est plus goûté. Correct. Pour faire une tire. Pour faire une tire, il est simple. Nous servir. Un ou deux touffes piques parce qu'automatiquement il peut ouvrir sinon. Nous faire un ou deux points avec lui. Et puis il retourne au four normal sans problème. L'autre. Fermé. Et
faire tout une sous forme. Ça veut dire une affaire qui est importante. Je ne vais pas prendre une pièce qui est trop gros parce qu'il est plus tardé pour cuire. L'étant ça pour là, fini cuit, sinon ce fromage est fini net et je perds tout ce saveur là-dedans. Mais à faire. Mais la face comme ça, on peut faire avec n'importe quoi. On peut faire avec même la viande pour cacher. Ça dépend du goût du monde. Bon, nous continuons. Bon, notre troisième étape, nous poupons nos poulets. Appelle une panade à l'anglaise. Première étape, nous besoin passer nos poulets dans la farine. C'est-à-dire la farine là, nous pouvons dire comme la colle, quand nous tremplons dans 10 œufs, nous faisons 10 œufs là, rester l'eau là. Pour qu'ils sachent appeler là, ils collent l'eau là, plus sirés, plus trappent, plus bien. Même principe, farinée. La farine n'a pas besoin de mettre rien là-dedans. Mais le 10 œufs, nous battons, nous mettons du sel, du poivre. Principe panage de simple. C'est le chapelier. Chapelier nous fait à base du pain qui nous fait. Nous pouvons faire par nous-mêmes. Mm-hmm. Il suffit de mettre du pain grillé 10 minutes. Un du pain qui est coupé à une fine tranche, 10 minutes, 180 degrés. Laisse du pain là griller et puis nous ça. Maintenant pour craser, nous tamisons. Et quand nous tamisons, il vous donne nous un chapelier cassé, fine et irrégulier. Le chapelier, il y a plusieurs fonctions. Nous avons servi parfois même dans des serres. Nous avons fait un gâteau même avec ça. Et nous panage infini. Bon, maintenant, dans le avant-dernière étape, c'est la friture. Est-ce que je vous conseille de frire une affaire qui est dans le chapelier? Je besoin pas avec trop haute température. Je besoin environ 150 degrés, mais pas de pâle démarrer à 70 degrés de suite parce que de l'huile pour déborder. Et puis, vous venez griller la farine. Vous venez griller ça à la chapelier là. D'accord. Température idéale, 150 degrés. C'est-à-dire, quand votre pièce est petite, quand vous faites une température, pas fait rien. Sinon, si votre pièce est trop gros, vous commencez la cuisson, vous pouvez viser à terminer dans le four. Parce qu'avant que la viande a fini cuit, votre chapelier vous finit brûler. Et chef, bon. Là, nous poulons finis cuits. Nous poulons finis cuits, nous poulons, montre-nous la sauce. D'accord. Ça veut dire que nous faisons la sauce moutarde. Bon, premièrement, on fait une petite réduction du vin avec un petit guide fond de volaille. Voilà. On va faire avec même de l'eau aussi, mais c'est bon, fond de volaille, parce qu'il peut travailler avec volaille. Il y a plus goût. Pour nous gagner goût, volaille là-dedans. Si on peut faire avec porc, quand nous gagner goût porc. Mais par contre, si vous faire un cordon bleu, ça veut dire faire la force que vous peut servir porc là-dedans. Le meilleur, c'est de faire une sauce avec base porc. Mais là, on met de moutarde là-dedans. Un petit peu de moutarde. Et puis, on ajoute environ 4 cuillères crème cuisson. La sauce est tellement simple. Et très goûté aussi. Nous laissons la sauce réduire pour l'épaissir encore. En même temps, nous allons goûter.
Et dans du monde, souvent, on s'est demandé comment faire la sauce moutarde. Mais voilà, c'est une base à sauce moutarde. Une sauce moutarde de base qui nous a servi même avec steak. Même un bout de poulet grillé nous a servi. Et voilà. C'est moi qui nous mets la crème là. Oui, la crème là, c'est pour faire les vignes épaisses. Et si nous pouvons faire les vignes, épaisses avec une autre affaire, nous pouvons servir. Mais c'est moi qui vous ai servi. Plus beaucoup. Nous pouvons servir plus beaucoup fond de volaille. Si nous font volaille, c'est un fond industriel. Nous pouvons faire nos propres fonds de volaille qui nous servent une garniture aromatique, c'est-à-dire des oignons, l'ail, du thym, persil, qui nous laissent bouillir pendant au moins 2 heures de temps, 2 heures de temps minimum, pour les réduire, nous pouvons gagner les mêmes affaires et plus bons résultats. D'accord. C'est naturel, nous allons servir comme ban les eaux poules, comme ban les eaux. Comment dire, les eaux porc, nous donnons la sauce assez onctueuse pareil. D'accord. Bon, assez, nous passons nos dressages, nos goûts déjà corrects. Bon, maintenant, nous pouvons terminer. Nous finissons, dressons l'assiette toujours. Pour nos présentations. Présentation, il y a des gens qui ont appris à mettre comme ça, il y a des gens qui ont des affaires, il dépend. Il dépend de problème. Mais on préfère coupler pour tout sur l'intérieur. Ce qui donne nous ça. Bientôt, nous pour différents fromages et jambon. Puis nous mettez un peu la sauce sur là. Et voilà, le cordon bleu poulet est prêt. Vous avez eu l'assiette. Bien présenté. Et nous avons ajouté ça là. Hibiscus, c'est une fleur comestible. Ce qui fait que vous connaissez, c'est que tu sais que l'assiette là, c'est une affaire qui est comestible. Nous avons tout ce qu'il y a. Merci beaucoup, chef. Merci. Et bonne spectateur, Joseph. Bon appétit.